Enfin, et dites-vous, j'ai le jeu depuis avant hier, avant-hier, enfin bref, je l'avais déjà téléchargé il y a déjà un petit moment. Mais j'ai dû me retenir d'y jouer, j'ai dû me retenir de le lancer alors qu'il était là ce matin là. Je pouvais pas le lancer parce que je devais le faire en live. Est-ce que vous vous rendez compte de la torture du bail? Le jeu il est présent, je peux enfin y jouer. Je vais enfin pouvoir redécouvrir mon enfance, aka Pokémon Diamant, la 4G, tout ça, ma magnifique Cynthia. Et voilà. Bonjour, quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans l'univers des Pokémon. Wesh, Sorbier, mon ref, ça va ou quoi? Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Oui, tu te répètes, mon ref, là, attention. Oh là là, le goût. Ça fait plaisir. Genre, dites-vous, j'ai relancé hier, j'ai relancé sur émulateur DS. Et j'ai encore les pixels dans les yeux, là, et du coup, ça fait plaisir de voir ça comme ça, là. Bien, maintenant, parle-moi un peu de toi. Vas-y. Le moment fatidique. Alors, attends. Alors, dans tous les cas, moi, dans tous les jeux Pokémon, absolument tous, j'ai pris une meuf. Et c'est pas maintenant que ça va changer, ça, d'accord? Du coup, la meuf, est-ce qu'on prend la horreur de base? Est-ce qu'on prend une horreur blonde? Putain, j'aurais bien aimé faire un mix, genre la prendre comme ça, mais avec les yeux bleus. Est-ce que vous êtes d'accord pour celle en bas à droite? Merci pour le sub, Darkus, merci beaucoup pour ton Prime, 5e mois, bienvenue à toi, mon ref, installe-toi bien. C'était pas prévu, mais est-ce que je te le demande directement, est-ce que tu veux qu'un de mes Pokémon ait ton nom? Voilà, t'as sub, là, t'es le premier sub du live, là, est-ce que tu veux qu'un de mes Pokémon ait ton nom? Alors, je te dirai pas quel Pokémon, hein. Mais un Pokémon aura ton nom. Bon, bref, on va choisir en bas à droite du coup, let's go. Du coup, mon perso, je vais l'appeler. Alors, ça, j'avais déjà prévu, je vais l'appeler Héloïse. Pourquoi Héloïse? Parce que récemment, je me suis retapé foot de rue, justement. En plus, la couleur de peau, elle va bien avec Héloïse, en plus, elle est bronzée et tout. Du coup, je vais choisir Héloïse, parce que Héloïse, c'est mon prénom féminin préféré. Tu t'appelles Héloïse? Oui, c'est ma. Appelez-moi Héloïse pendant tout ce live. Faites-vous plaisir, je répondrai, d'accord, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je trouve un nom à lui. Je vais l'écrire comme ça. Et je dirais que ce sera à cause du chat. J'ai déjà fait, ok, c'est trop tard. Malgré tous ces efforts, l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le Pokémon chromatique rare. Le supposé Léviator rouge demeure invisible et l'équipe a perdu toute motivation. Oh merde! Et la personne qui va le trouver, c'est moi. Oui, c'est à moi de le passer, pardon, autant pour moi. Oh, c'est stylé! Ceci conclut notre émission spéciale à la recherche du Léviator rouge. Ce programme vous a été présenté par Félitélé sur le réseau national. À la prochaine, même heure, même chaîne. Ah bah les lunettes. Dès le début du jeu, vous voulez que j'enlève une... Vous êtes sérieux là? En vrai, on a beau cracher sur le jeu, en vrai, ça va en vrai. C'est pas non plus catastrophique. En vrai, franchement, je trouve que ça passe. Hein. En plus, regardez-moi ce RTX là, regardez. Vous voyez le RTX là? On voit le personnage dans le parquet là. Ça, c'est du RTX, incroyable ça. Et oui, mon Shibrax, je te cherchais tout. Non, mais c'est le meilleur pseudo, je m'en fous. C'est le meilleur pseudo, c'est incroyable. On a fait le bon choix, je vous le dis, moi. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. Bah, ok, je vais chercher ton Shibrax, y a pas de souci, y a pas de souci. Et en vrai, le skin que j'ai pris, il est incroyable. Hein. Franchement, le skin que j'ai pris, il est incroyable. Bref, allons voir notre frérot, mon Shibrax. Wesh, boum! Oh, c'est Thibaut InShape, en fait, le truc. Ah, qui va là? Oh, c'est toi, Héloïse. Et je vais au lac, alors viens avec moi, et traîne pas. Ok, je te suis, mon ref. Hein. Si t'es en retard, tu me devras 10 000... non, en fait, c'est pas parce que je suis en retard que je te donne de la thune, mon ref. Hein. Faut arrêter les conneries, hein. Ah, faut arrêter les conneries, c'est pas comme ça que ça marche, la vie, hein. Bon, ça fait 5 minutes depuis, je pense. Je peux remettre mes lunettes tranquillement. Je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mes notes d'aventure. Ah, t'es là, Héloïse, on va au lac? Let's go, moi, je suis prêt, hein. J'attendais sur la route, si t'es en retard, tu me devras 100... Bah, toujours plus! Hé, hey, t'as vu l'émission qui est passée à la télé? Ouais. Tu sais celle sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac? Ouais, le Léviator rouge, ouais, je le veux. À la recherche du Léviator rouge. Ça m'a fait réfléchir, je parie qu'il y a aussi un Pokémon rare dans notre lac. Alors voilà ce qu'on va faire, on va partir à sa recherche. Let's go. Oh, cette OST. Oh, cette OST, incroyable. Là, l'OST, elle est... J'ai des frissons juste à l'écouter. Rien d'inhabituel non plus de l'autre côté, professeur. J'ai dû me tromper. Pourtant, on dirait que quelque chose a changé. Ah, peu importe, au moins nous avons pu avoir le lac. Allons-nous-en, Lucas. C'est exactement d'un point de vue scientifique, car il y a beaucoup de Pokémon rares dans la région. Je pense que ça va nous permettre d'avancer dans nos recherches. Non, vraiment, je trouve que le perso de base, il a pas de flow. Hein. Genre, Lucas, là, comme ça, là, en chibi, il ressemble vraiment à rien. Je suis désolé, mais c'est vrai. Mais cette OST est incroyable, putain! Alors, qu'est-ce que tu dis? Faut pas aller dans les hautes herbes? T'inquiète, on y restera pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sauvage nous attaque. Ouais, en fait, vraiment, lui, c'est vraiment le genre de personnage qui te ramène dans la mer, genre. T'as une mallette, les gens qui viennent de la. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait la leur rendre, mais on sait pas ce qu'ils sont. Je crois que le vieux se faisait appeler professeur. Oh merde, des étourmés! Oh merde, des pigeons volants qui m'attaquent, je fais quoi? Ça c'est quelque chose qui pourrait arriver à Paris, ça. Prenez note sur ce qui peut arriver là. Waouh, des Pokémon.
Oh merde, qu'est-ce qu'on va faire? Oh mais comme par hasard, il y a des Pokéballs dans une valise. Oh mais c'est fou le hasard comme c'est... Waouh. Des Pokéballs utilisons-les pour nous battre. Alors tu veux prendre laquelle? Tortipousse, le Pokémon Minifeuille. Choisissez-vous ce Pokémon? Clairement pas, non. Clairement pas. Swisticram, le Pokémon Chimpanzé. Choisissez-vous ce Pokémon? C'est clairement celui qu'on va prendre. Et bien sûr, Tiplouf, le Pokémon Pingouin. Choisissez-vous ce Pokémon? Non. Et on va prendre Wistikram, parce que Simiabraz, le boss, évidemment, et ceux qui disent le contraire, bah écoutez, moi je suis pas dans le jugement après tout, moi je ne suis pas quelqu'un qui est dans le jugement, juste que ceux qui préfèrent Tortipousse à Simiabraz et Tiplouf, voilà, bref, attaque, griffe, on dit pas qu'il faudrait être... critique. Tu vas faire quoi, Etourmi, mon ref? Tu vas faire quoi? C'est ça ton attaque, ça? C'est ça ton attaque? Mais tu me fais pas mal, mais dégage de là. Allez, oust. Du balai, du vent. On dit que t'es deux fois plus fort. Oui, bah ton petit plouf, il veut rien. D'accord, hein. Fais pas le mec. Mais ils sont pas à nous, ces Pokémon. On n'a pas eu le choix, fallait qu'on les utilise. Tu crois qu'on va avoir des problèmes? Bah en soi, vous les avez juste utilisés pour vous défendre. C'est pas grave non plus. Ouf, la manette est là. Le professeur m'aurait passé un savon si je l'avais perdu. Hein? Quoi? Mais dis-toi que vous avez utilisé les Pokémon. Oh, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais dire au professeur? Oh, merde. Ouais, bah, c'est des Pokémon qu'on choisit pour le début d'une aventure. Hein. Je vais d'abord lui rapporter la mallette. Bon, déjà, faut être très fort pour oublier une mallette avec les Pokémon de base dedans, déjà. Hein. Faut vraiment être très... Enfin, faut pas être très net, quoi. Je sais pas trop ce qui se passe, mais on ferait mieux d'y aller. Mon Pokémon a été blessé pendant le combat. Mais qu'est-ce que je m'en fous que ton Pokémon a été blessé pendant le combat? C'est pas le mien. M'énerve, lui, hein. Le mec, il pense qu'à lui, tu sais. Normalement, j'en ai rien à foutre des autres. Ouais, c'est vrai que ces Pokémon sont pas nous et qu'on doit les rendre. Mais j'aimerais bien passer encore un peu de temps avec ce petit gars. Bah ouais, vous êtes déjà attaché, hein, c'est normal. Donc Ouais, dors dans l'ombre, Kuroko. Encore le vieux, on dirait qu'il nous regarde. Lucas m'a dit que vous aviez utilisé nos Pokémon. Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Oui, c'est Kremetti Bluff. Je vois, très bien. Lucas, je retourne au labo. Endermon Shurex, moi je l'ai appelé Gros Nouveau. Ok, attendez-moi, professeur. Vous devriez venir nous voir au labo. C'est ce qu'on va faire, t'inquiète, hein, à plus. Du coup, on garde nos Pokémon. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah alors, il est pas en colère, il a pas envie de récupérer ses Pokémon. Héloïse, on devrait rentrer nous aussi. On va aller voir maman avant de... Parce qu'on va plus la voir pendant un moment. Hein. Quoi de neuf, ma puce? Wow, je n'arrive pas à croire que ce qui t'est arrivé. Mon Chibrax, c'est toi. Toi, être sain et sauf, c'est le principal. C'est le principal que son Chibrax, c'est moi, soit sain et sauf. C'est vraiment le principal, ouais. Et enfin, nous allons commencer. Sur quel premier Pokémon allons-nous tomber? Je veux faire monter mon Wistikrab. Il n'y a pas de Pokémon au début, c'est ça? Ah si, merci quand même. Hey, premier combat, let's go, Etourmi. Etourmi sauvage apparaît, let's go. Ah, je crois qu'il va falloir enlever les animations de combat par contre. Alors, si je dis pas de conneries, j'ai pas les Pokéballs. Pour l'instant, les Pokéballs, j'en ai pas. Hein. Ouais, pour l'instant, j'ai rien du tout. Faut que j'aille voir le professeur. Attaquer, griffe. On va XP tranquillement le début. Normal. Il apprend Flamèche. Voilà, l'attaque de base. Salut, je t'attendais. Suis-moi, s'il te plaît, le professeur veut te voir. Tu vois, enfin, tu t'appelles Héloïse, n'est-ce pas? Montre-moi à nouveau le Pokémon, je te prie. Regardez mon Wistikram. C'est mon Wistikram, hein, vous me le prenez pas, je vous le dis. Voilà, il a l'air... Bah si, il a l'air heureux. C'est que j'ai... Il m'aime bien. On a bien choisi. Bref, ouais, qu'est-ce qui s'est passé au lac? Il paraît que tu t'es bien battu alors que c'était ton premier combat. Et d'après ce que je vois, tu as déjà commencé à te lier d'amitié avec ce Pokémon. On dirait que Wistikram est en train de bonne main avec toi. Yep. Vous inquiétez pas, je suis un maître de ligue de pratiquement tous les jeux Pokémon existants dans le monde, donc c'est pas un problème, quoi. Bien, passons aux choses sérieuses. J'aimerais te confier une mission, mais je vais d'abord t'en dire un peu plus sur moi. Mon nom est Sorby, j'étudie les Pokémon, je veux tout savoir sur les Pokémon qui vivent dans la région de Sinnoh. Pour cela, j'ai besoin que l'on m'aide à collecter leurs données avec un Pokédex, c'est là que tu interviens. Oh, incroyable! Oui, on va t'aider à récolter les informations, etc. Ah merde, j'ai dit non! Attends, non, sache que je peux... Non, attends... Oui, oui, je dis oui, j'accepte. J'ai dit non sans le vouloir. Et là, fin du jeu, genre non, fin du jeu, voilà. On peut plus continuer. Très bien, c'est ce que je voulais entendre, voilà. Excuse-moi, mon ref, excuse-moi.
Pokédex, passe-moi des Pokéballs aussi, s'il te plaît. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait m'aider fortement. J'oubliais, tu devrais dire à ta famille que tu vas aider le professeur Sorbier à compléter le Pokédex. Parfois on doit partir loin, alors il vaut mieux que quelqu'un soit au courant. Oui, je vais dire à ma mère que je m'en vais pour 5-10 ans à peu près. Ah oui, c'est la mère de... maman de... Ce pseudo est incroyable. Excuse-moi, mon petit, mon Chibrex est-il ici? Ah oui, ça fait bizarre du coup là par contre. Oh, il a déjà dû partir, alors que faire? En fait, son fils il sent pas les steaks hein. Vraiment, lui, il part à l'aventure, il dit même pas à sa mère qu'il part alors qu'il va pas venir avant des mois et des mois. Il m'a juste crié qu'il partait à l'aventure, puis il s'est précipité dehors. Il est si impulsif et téméraire, je voulais au moins lui donner ceci. Ne vous inquiétez pas, Héloïse va lui apporter ça. N'est-ce pas ma puce? Allez, c'est à moi qu'on passe les mauvaises corvées, là, putain. J'ai jamais dit que je l'aimais, moi, mon Chibrax. Moi. Dans ce cas, peux-tu apporter ceci à mon Chibrax, s'il te plaît? Avec grand plaisir, je te l'apporte quand tu veux, hein. Vous obtenez le colis. Ah, fils indigne, je te jure. Dis donc, ma puce, tu n'aurais pas oublié quelque chose d'important? J'ai oublié quoi? Elle me dit quelque chose d'important, mais elle me fait sortir. Et voilà ce chapeau. Ah oui, le chapeau, pardon! Mais oui, le fameux bonnet, évidemment. Évidemment, que serait notre personnage sans ce magnifique bonnet? Attends. Allez, let's go, je t'abandonne. Je reviens dans... une dizaine d'années, à peu près. Du coup, est-ce que j'ai des Pokéballs? Parce que j'ai pas fait attention. Ouais. Ah oui, voilà, aussi, j'ai 8000 de base. Je peux me mettre bien, je peux m'en acheter une vingtaine. Tu sais comment attraper un Pokémon, Héloïse? Ah putain, mais c'est vrai qu'il me fait un tuto, putain. Oh, j'avais oublié. Bon, allons attraper notre premier Pokémon, là. Il nous faut... en général, en début, il nous faut... Étourmi, Lixie... ces deux Pokémon-là, en général, c'est les premiers que t'attrapes. Pour bien commencer une aventure. Voilà. Étourmi, le classico, évidemment. Let's go. Je te crame la gueule. Crame-lui la gueule. Crame-lui les ailes à ce pigeon là. Voilà. En vrai, ça suffit comme ça. Ah, du coup, il m'en a passé 10 du coup, ok. Qu'est-ce que j'ai raté? Let's go. Et un est tombé avec nous. On est tous les deux des dresseurs et nos regards sont croisés. Ouais, bon, sale gosse. Non, il a vraiment aucune dégaine, le gamin. Et mettez-la, sa dégaine! Je suis désolé, mais il a 6 ans maximum. Let's go, félicité. On est enfin arrivé à la première réelle ville. Combien de Pokémon tu as attrapé? J'en ai attrapé que un seul pour l'instant, mais ça va arriver. D'ailleurs, mon Chibrax... Pardon. D'ailleurs, mon Chibrax était visité tout à l'heure. Bon, à plus tard, continue à remplir ton Pokédex. Mais cette ville, j'ai tellement de souvenirs en passant ici, genre là j'ai des souvenirs en hauteur, genre vraiment vu du dessus plus que ça. Et ça fait plaisir de voir ça comme ça quand même. Attends, on va parler un peu à tout le monde. Es-tu calé en matière de Pokémon? Ouais, vas-y, pose tes questions, c'est ça? Tu sais donc beaucoup de choses sur les Pokémon, c'est bien. Dans ce cas, je suppose que tu n'as pas prévu de te rendre à l'école de dresseur. Mais tu devrais y aller si tu as le temps, tu pourrais peut-être y apprendre quelque chose. Ok, j'irai. Ah oui, eux, je peux les affronter. Attendez, je vais parler à... Ouais. Tu viens de devenir dresseuse, pas vrai? Tu devrais te renseigner sur les sujets que tu connais pas bien. D'accord. Ah, mais il est là, il est là, mon Chibrax. Hey, t'es là, Héloïse? T'es venu étudier toi aussi? J'ai pris de l'avance en mémorisant tout ce qu'il y a sur le tableau. C'est la table des types, ça. Non, je suis sûr que c'est la table des types qu'il a appris, là. Et oui, un dresseur a le devoir d'apprendre et à éviter que ses Pokémon se blessent au combat. Et toi, alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Ah, t'as quelque chose pour moi? Ah oui, c'est vrai qu'on a... J'avais oublié qu'on avait le colis à lui passer. J'avais combien oublié ça? Et ça, je vais quitter le script, je repasse. Je pourrais un peu... Vas-y, à plus tard, quoi, plus tard. Regardez-moi aussi, crabe. Je le regarderai après. Une carte géniale. Ok, il avait pas la carte. Il y en a deux, une seule, ça me suffit. Du coup, tiens, Louis, je t'en donne une. Vous obtenez une carte, yes. Let's go. Je sais pas que c'est chaud pour les cours. Oh là là, le nombre de jeux de mots à la cour, putain de merde. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Mais ce choix est tellement incroyable aussi. Je vous déglingue tous les deux ici et maintenant. D'où il a un bras, lui, ça? Comment ça? Genre, ce petit gosse a réussi à avoir un bras comme ça. Vous vous foutez de ma gueule. Ah oui, t'aimes le jeu? Bah, moi aussi, en vrai, c'est pareil. Hein. Le jeu, il... Franchement, je le trouve vraiment très très cool. C'est que le début, après. Hein, mais... ça reste très très cool, quand même, à jouer, quoi. Let's go, Instagram qui monte de niveau. Ok, Yanis. Oh putain, il s'appelle Yanis. De toute façon, alors attendez, la première arène, il me semble que c'est l'arène Roche. Donc dans tous les cas, il va falloir que j'ai
une attaque combat ou un Pokémon de type combat là avant la première arène. On va pas y arriver tout de suite, mais ça va arriver assez vite quand même. Je vais pas me laisser passer. Que vois-je ? Une tristeuse Pokémon sans Pokémontre ? Ah oui, c'est vrai, la Pokémontre, passe-la-moi. Yes, voilà, c'est ça qu'on veut. Alors, tu t'es amélioré au combat Pokémon ? Moi, quel qui suis évidemment que je me suis amélioré. Tiens, d'ailleurs, je vais te le prouver. Oh, il va m'amener, mais j'ai pas envie de t'affronter, moi. Laisse-moi tranquille. Allez, veux se battre, allez, viens te battre, c'est bon. En plus, je crois que j'ai... Attends, va t'en étourner en premier. Ok, ok. Je vais lui cramer les ailes à ton étourner. Je vais lui cramer les ailes, ouais. Crame-lui les ailes, là, vas-y. Mais voilà, j'ai pas de vie, j'ai fait le con, là. Coup critique. L'étourner est KO. Envoie ton type louf, maintenant, mon ref. Vas-y, envoie. Allez, mon Shipax crève. Allez, t'as plus de vie, là. Arrête avec tes écrases-faces moches, là. M'écraser la face comme ça. Pour qui tu te prends? Hors de ma vue, maintenant, là. C'est bon. Je vais aller soigner les Pokémon tranquillement là. Et tu vas me laisser aller attraper des Pokémon d'autres types, s'il te plaît. Donne-moi des Pokémon. Passe-moi un Pokémon que j'ai pas, s'il te plaît. Attention. Reveal. Merci. Merci. Let's go, Lixie. Bon, il est pas shiny, mais c'est pas grave. Hein. Ok. C'est pas grave. Hein. Attends, Gris, c'est pas. Mais pourquoi je tape du crit? Pourquoi je tape du crit? Ça fera un bon clip. Ah ouais, bah oui, c'est ça. Voilà, merci. Et celui-là, il est pour moi, celui-là, je vous le dis. Vous savez quoi? Je le one-shot sans l'attaquer. Regardez. Enlève mon intimidation, je sais pas quoi, là. Pokéball. Let's go. Là, je fais genre, je l'envoie avec mon truc, là. D'un coup, regardez. Attendez, c'était juste l'essai, ok? Mais là, regardez, la deuxième essai, là, c'est, non, ça c'est le vrai premier essai du coup, ça one shot. Regardez. 2, 3. C'est comme ça qu'on fait en one shot, en un essai, je rappelle que Enfin, la première fois, c'était juste un exemple, enfin, tu vois, genre, qu'on peut... Voilà. Selena, la fan de pique-nique. Et vraiment, les noms des dresseurs, des... Selena, la fan de pique-nique, genre... Comment ça... Fan de pique-nique, ça existe, ça? Genre, t'es fan de musique, t'es fan de trucs et tout, et t'as des gens qui sont fans de pique-nique. Pourquoi pas? Non mais moi j'adore les pique-niques aussi hein. Parce que le mot fan c'est fort quand même hein, comme mot hein. C'est comme les fans de Star quoi, tu vois, c'est un mot très fort le mot fan. Et nous arrivons à Charbourg. Ouais, c'est mon pote surexcité, c'est Tibune Shape. Toi Louise, t'arrives enfin, tu traînes toujours autant. Tu traînes tellement que le champion est parti depuis longtemps. Il a dit qu'il devait aller à... Ah oui, la mine de Charbourg. Je dis ça, je dis rien, tu fais ce que tu veux, moi de toute façon j'ai déjà mon badge. Je fais trop le mec. Je sais que là je me rappelle, on va devoir aller à la mine et aller le voir là. La mine... Ah oui, la mine, elle est par là, en plus. Elle est au fond, en fait. Yes. Il est tout en bas de la mine. Et normalement, il est juste là, voilà. Peut-être Éclatroc, je peux réduire en poussière les rochers qui bloquent le passage. Ah, mais de toute façon, Éclatroc était grisé, mais dans tous les cas, j'ai pas fait encore l'arène, c'est vrai, je viens d'y penser. C'est important de faire ça après un éboulement. Si tu obtenais le badge de notre arène, tu pourrais toi aussi détruire les rochers. Qui te barre la route? Bien sûr, pour ça, tu dois d'abord vaincre le champion d'arène, c'est-à-dire moi. Mais sans problème, mec, je te déglingue maintenant ici, présent s'il le faut, mon ref. L'arène est là, let's go. Je pense que ça va se faire ici, l'arène ici. On va bien XP en plus en se les faisant tous, là. Enfin, bon, tous, ils sont que deux, mais... Qu'est-ce t'envoies? Vous avez tous des racailloux, en fait. Bientôt niveau 14, et ça en aime. Sinon, après l'arène, mon Pokémon, il évolue, je pense. Hein. Pas besoin de potions pour ça. Montre-moi tes compétences de dresseuse et la force de tes Pokémon. Avec grand plaisir, mon cher. Je vais te montrer ma force, ma vraie puissance. Putain, mais pourquoi on n'a pas le perso comme ça tout le temps, sérieux? Pourquoi Chibi, vas-y? Il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est comme ça dans le jeu de base, etc. Oui, mais c'était des pixels, c'était pas lisse. C'est pas pareil. Et attention, je vais mourir par les pièges de Rock.
En même temps avec Flippy. Pourquoi tu fais pas éclair? Parce que ça fait rien sur le petit proche. C'est vraiment ridicule ce qui vient de se passer. Hein. Tiens. Tiens, vous savez quoi? Ça c'est le genre de truc qu'on n'utilise jamais en combat. La vie, c'est le genre de truc qu'on n'utilise jamais. Pour la première fois de ma vie, je vais l'utiliser une fois. Tiens, hop là. Hop là, une petite capsule de défense pour... Pas aussi grave. Il va tanker. Il va tanker comme jamais les attaques des autres là. Vous allez voir, incroyable. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent ces capsules de base? La vie, moi, les capsules, à chaque fois, je me retrouve avec je sais pas combien de capsules à la fin des jeux Pokémon en général. Me fais pas roulade, s'il te plaît, parce que roulade, c'est chiant, ça fait mal pour rien. Merci. Je vois que tu retires le grave. Je le retire pas, je le retire pas. Allez, augmente ton attaque encore, là. Et les prochains, ils vont prendre cher de ouf, après. Ah, tu fais encore ça, en plus. Mais si tu m'attaques pas, moi, ça me va, hein. Même si tu t'as plus d'armure, de défense. Tant mieux. Bon, pourtant, tant que tu me fais pas de dégâts... Moi ça me va. Tu peux le faire encore une fois comme ça au moins on est bien. Piège, ok, bon. Il m'a fait zéro dégâts du coup. Et ça c'est bien. Parce qu'on a une attaque cheatée maintenant. Et j'augmente encore l'attaque là. Oh mais sale bâtard. Il utilise vraiment sa potion pour son premier racaillou. Vraiment. J'en ai 16 encore, hein. Je vais spam le point boost. Hein. Je vais spam le point boost comme jamais, hein, je vous le dis. Hein. On va raconter là. Aïe. Tu fais quoi face à mon point boost? Vous allez faire quoi face à mon point boost, hein? Ton jet de pierre, il me faisait mal avant. Mais là, je suis encore dans le vert. Et là, je te tue. Down. Sit down. Oh, mais t'as une popo. Ta popo, elle sert à rien. Là, à force, là, je sais pas, mon attaque, elle est à combien, mais... Je sais même pas combien de fois je l'ai fait, là, le point boost, là. Oh, je gagne tout ça de niveau juste pour ça. Envoie ton Cranidos, j'ai pas peur. Ce Pokémon sera plus coriace que les précédents. Ouais, si tu le dis, ouais. Voilà, sauvage, incroyable. Première évolution du jeu, enfin. Wistikram évolue, let's go. Là, on aime bien, là, on aime bien. Let's go, Chimpanfeu. Enfin, c'est fou parce que la plupart des Pokémon, leur première évolution, elle est pas ouf. Genre franchement, Chimpanfeu, je suis pas fan de fou quoi. Alors que Simiabras, par contre, tu vois, genre Simiabras, incroyable Simiabras, tu vois, ça a rien à voir. Désolé Pierrick, hein, mais t'es nul, voilà. Enfin le plus nul de tous les maîtres en tout cas. Oh, tiens, en plus il vient me chercher. Boum, oui, Thibaut InShape, qu'est-ce qu'il y a? Oups, celui-là, alors t'as obtenu le badge? Oui, je l'ai, t'inquiète. Le prochain est à l'arène de Vestigion, pas vrai? Alors la prochaine arène, je crois, c'est Plante. L'arène plante, par contre, on va rouler dessus. Hein. Yep. Ah ouais, la Team Galaxy. Avec ces gens sans flow, là. Les deux, là. Avec leur vieille coupe au bol. Ils ont ma pique comme toujours. Je ne comprends pas ce que me veulent ces vauriens. Apprends-leur les bonnes bannières. Ok. Allons, professeur Pokémon, pourquoi faites-vous le difficile? Qu'est-ce que vous voulez? Nous proposons juste un marché. C'est quoi le marché? Donnez-nous tous les résultats de vos recherches ou votre assistant paiera le prix fort. Vous avez zéro charisme. Déjà, vous êtes en chibi, c'est encore pire. Mais même sans être en chibi, vous avez pas de charisme. Donc franchement, vous êtes pas crédible, les gars. Ah, let's go. Je suis avec Luca. Luca, il a un Tortipousse, soit il me semble. Alors, ton Tortipousse a pas évolué? On est en retard, Luca? Oh, c'est dommage, ça. C'est quand même vachement dommage. Bye bye l'insecte, déjà. Ah bah la Team Galaxy de mes deux éclatés au sol là. Bon, dégagez les deux, les jumeaux éclatés au sol là. Team Galaxy, si j'ai bien compris, ils ont l'intention d'utiliser l'énergie mystérieuse libérée par les Pokémon quand ils évoluent. Mais c'est de la folie, comment va-t-il croire en une seule seconde que des êtres humains puissent parvenir à canaliser cette énergie? Je te jure, c'est n'importe quoi ça quand même, hein, franchement. Quoi qu'il en soit, tu t'es vraiment bien battu, pardon. En te voyant combattre aux côtés de tes Pokémon, j'ai su que j'avais bien fait de te confier un Pokédex. Je ne sais pas si tu es au courant, Héloïse, mais le professeur étudie l'évolution des Pokémon. D'après ses recherches, 90% des Pokémon sont liés d'une façon ou d'une autre à l'évolution. Si certains Pokémon évoluent de façon surprenante. Ouais, genre la méga évolution, vous savez le truc qu'ils ont enlevé après Soleil et Lune, du coup. Soleil et Lune, c'était les derniers jeux où on a vu la méga évolution. Malheureusement. Non, ça, c'est vraiment un des trucs que Game Freak, je comprendrai jamais. Hein. Ouais, comme tu disais, Chris, ils ont pas fait le... Mais t'es qui, toi? Pourquoi tu veux me parler? Je vais vous présenter, je m'appelle Amel, je bosse dans l'informatique à Union Police. Ok. Tiens, pour te remercier d'avoir donné une bonne leçon à ces brutes, je vais faire en sorte que tu puisses accéder à tes boîtes
PC depuis n'importe où. Ah, mais toi t'es un ange venu du ciel. Ça, par contre, s'il y a bien une nouveauté qui est incroyable et que ça, franchement, c'est vraiment trop bien, c'est bien la boîte PC portable et d'avoir tous ces Pokémon avec soi en soi, en fait. Genre, t'as pas besoin d'aller au centre Pokémon pour changer de Pokémon dans le PC, machin, ou d'avoir... Ça, c'est vraiment l'une des meilleures nouveautés qui existent depuis Épée et Bouclier, du coup. Comment ça, c'est quoi la méga... Tu te fous de ma gueule ou quoi, là? Non, si vous avez raté ça, c'est que... Non, vous avez raté votre vie. Hein. Si t'as jamais vu la méga évolution de Lucario, je te la présente. Voilà. XY, meilleur jeu Pokémon. Évidemment. Enfin, bref. Si tu veux un autre exemple, par exemple... Tiens, Rayquaza. Pas un gif et tout. Bon. Une image grande. Putain, mais vous avez que des images petites, là. Vous êtes sérieux, là? Bref, Mega Dracaufeu fait aussi, mais il y en a plein des méga. Tous les méga, ils sont pas de temps, sont archi stylés, tu vois. Et pourquoi ils ont enlevé? Parce qu'ils sont débiles! C'est ce que je dis, justement. Genre, en plus, le pire, c'est qu'ils étaient pas que stylés. Même l'histoire derrière la méga évolution était incroyable. Vraiment. Et il y avait une histoire grave poussée et tout. Et pour... on sait pas pourquoi. Ils ont préféré annuler la méga évolution, tout ça. Enfin, annuler, ne plus en parler. Et sortir leur Dynamax de mes deux, là. Genre, vraiment. Genre, pourquoi? C'est quoi cette idée de merde qu'ils ont eu? Genre, je comprends pas. Tout ce qu'ils ont tiré, après la méga évolution, on a eu quoi? Les capacités Z. Tu sais, le truc où tu danses avec ton Pokémon, là, pour faire une attaque spéciale, là. Encore ça, limite, ça allait, parce que les méga évolutions étaient encore là. Juste après ça, ils ont carrément enlevé, et frère, vas-y. Genre, quand y a des combats entre Dynamax, ben, c'est deux Pokémon géants qui prennent absolument toute l'arène, genre dans l'animé, et il y a zéro chorégraphie de combat. En fait, genre, c'est juste nul. Vraiment. C'est... Et c'est pas... En plus, c'est même pas tous les Pokémon qui ont une évolution et qui ont un Dynamax différent de leur forme de base. Et la plupart ont un Dynamax et ils grandissent juste, tu vois. C'est vraiment de la merde. Ah oui, c'est beau ici. Les fleurs et tout. Ici, c'est joli, ici. Franchement, ici, j'aime bien. Ici, c'est très, très joli. Bon, on va sauver la Team Galaxy, j'ai compris. Team Galaxy, ramenez-vous, je vous soulève vos grands bords. Quelle idée des V1. C'est pas ce qu'on va voir. Je peux les soulever. Merde, mais je voulais pas parler au même. Il faut que je parle à qui là? À elle? Non. Oh, attends, quoi? Ok. Non, mais pourquoi pas? Non, mais... Voilà, quand je vous dis qu'il faut parler à des habitants. Il faut parler à des habitants, en fait. Tout simplement parce que, dans ces moments-là... Voilà. Parce que je sais que ça, c'est parce que j'ai joué à... Ça, c'est parce que j'ai joué à Épée. Mais je savais pas que c'était en parlant à cet habitant-là. Et non, pas... Ils travaillent au parc éolien, mais les gens habillés comme des tristesses ne veulent pas me laisser rentrer. Ils sont trop méchants. Alors, c'est la Team Galaxy, encore. Par contre, ce Pokémon, il a le pire downgrade de Pokémon. Hein. Comment tu peux passer de Shaglam à Chaffreux? Non, vraiment, ça c'est une question que je me poserai toujours. Comment tu peux passer de Shaglam à Chaffreux? Genre, les développeurs de Pokémon, ils se sont dit... Comment, à quel moment ils se sont dit, passer de Glamour à Affreux, c'est bien? Normalement, c'est l'inverse, normalement. Ton prochain Pokémon, il est sur chocolat. Non. Non, non. Pas envie. Mais moi, je suppose. Niveau 100, bah oui, bien sûr. Il est Jirachi niveau 6, ok. Bon bah il va XP avec nous, hein. Yes. Merci, putain. Must Boué. Ça fait plaisir, ça. Ça, j'adore. J'aime beaucoup. Donc ça va attraper directement, hein, évidemment. Par contre, il a tellement pas de vie que, bon... Rentre d'un coup, s'il te plaît. Mais il suffit de demander. Voilà. C'est comme ça qu'on fait, mon ref. C'est comme ça qu'on fait. Let's... Ah oui, c'est dans la forêt, putain, bah oui. Maintenant, j'accède à la forêt. Près de Floraville. Oh là, c'est beau. Laissez-le tranquille. Je vais vous éclater vos grosses darons, là. Team Galaxy a besoin de ce miel pour attirer une armée de Pokémon. Ouais, mais non, mais moi, je vous laisse pas faire, les gars, en fait. Genre, je suis le héros principal de l'aventure, tu vois ce que je veux dire? Et des Pokémon au-dessus du level 10, s'il vous plaît. Oh, mais non, c'est pas un 2v2. Oh là là. En fait, c'est long pour rien quand c'est pas un 2v2, en fait. Ouais. Mais dans ton histoire, mais je m'en fous de ton histoire, qu'est-ce que j'en ai... Je suis pas dans ton histoire tout court, j'ai pas envie d'y être, moi. Vous êtes marrant, vous. Oh, de malade ici, hein.
Je trouve pas d'autres mots et pourtant j'en connais plein. Ok. Voilà, ils se sont barrés, bande de gros nazes. Hors de ma vue. Alors sauver, ces voyous voulaient me voler mes précieux miels. Oui, va voir ta fille, elle se fait du souci pour toi. Oh, plus un pot de miel, bah ça fait plaisir, merci. Faut que je... Pum, 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 pum. Ouverture des portes, let's go. Quoi? C'est impossible! Tu as l'autre clé, ça valait bien la peine que je m'enferme. Je suis bel et bien le perdant dans cette histoire. Oui, t'es claqué au sol, ouais. Bref, pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. Je dois me prévenir l'administratrice. Gna 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 gna. Espèce de tapette, voilà. Attends, ils viennent... c'est pas le même? De toute façon, ils se ressemblent tous, de toute façon, donc bon. Là, mon Lixi va évoluer, là. Rame dans les flammes de l'enfer. Paf, niveau 15. Et ça, on aime. Lixi monte niveau 15, oui. Et ton vol niveau 16, oui. Ça, c'est des choses que j'aime bien, là. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Quoi? Oh, Lixi évolue. Voilà, passe-moi là. Ramène-toi, ramène-toi. Voilà, là, il va, le flow commence à augmenter. Et ça en aime. Voilà, le Luxio qui fait plaisir. Le Luxio qui... Ah là là. J'ai tellement hâte d'avoir Luxray. Bon, c'est pas tout de suite Luxray. Hein. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un de fort ici? Non, en vrai, je fais le mec, mais en fait, c'est très bien comme ça aussi, ça me permet d'XP. Admin. Ah, c'est ton nom? Nous essayons de créer un meilleur monde que celui-ci, mais les gens n'ont pas l'air de comprendre ce qu'on fait. Ouais, vous êtes des antagonistes qui veulent faire le bien, mais de la mauvaise manière. Comme d'habitude, évidemment. Tu ne comprends pas non plus, n'est-ce pas? C'est un peu triste. Puisque c'est comme ça, décidons de ce que nous allons faire avec un combat. Si je gagne, tu t'en vas. Si tu gagnes, ce sera à nous, la Team Galaxy, de partir. Bah écoutez, je vais vous éclater et je vais prendre le territoire. Voilà. Si vous voulez que je marque mon territoire comme ça, il suffit de demander, hein. Il suffit de demander. Salut Mel, comment tu vas? Merde. Un Nosferapti, ok. Niveau combien? 14! Eh, c'est de mieux en mieux, hein. C'est de mieux en mieux. J'espère Musboy, il faut qu'il évolue vite, là. Ah non, mais Musboy, il a qu'une seule évolution, du coup, c'est plus... Il évolue quel niveau, Musboy, du coup? C'est vrai qu'il a qu'une seule évolution. Enfin, attends, il n'a qu'une, hein. Ouais, c'est un Musteflotte, hein. Mais voilà, Chaffreux, mais comment tu peux passer de Chaglam à ça? C'est moche! C'est dégueu, c'est laid! Merci. Et au bout d'un moment, c'est... M'agresser les oreilles comme ça, là. J'ai toujours pas lancé Genshin. C'est intéressant ce que tu me dis là, ça. Non mais tu vois, ça, c'est en train de... Au fur et à mesure, c'est en train de te faire pareil. Ça va faire pareil à tout le monde si Mioyo continue comme ça, hein. Je te le dis, hein. Au fur et à mesure, là, les... On se lasse de ce jeu à force, hein. Parce que là, il se passe rien sur le jeu, c'est juste chiant. Donc bon. Allez, dégagez de mon chemin, voilà, bougez de ma vue. Vous serviez à rien. Oui, je sais plus comment elle s'appelle. Bonjour, mon nom est Sarah. Bon bah voilà. Ah bah Sarouche, c'est toi. Sarouche, tu es dans le jeu. Comment t'appelles-tu? Enchantée, Louise. Puis-je te demander un grand service? Je souhaiterais traverser cette forêt, mais j'ai peur d'y aller seul. J'ai entendu dire que de sinistres individus qui se font appeler la Team Galaxy y rôdaient. Mais comme on dit, l'union fait la force. Puis-je traverser la forêt avec toi? Mais avec plaisir! Mais ça rouche, je t'aide directement. Je soignerai tes Pokémon. Ah, ça veut! Bon, alors là, oui. Oui, c'est un grand oui. Tu veux pas m'affronter, toi? Attends, mais je l'ai pas là, Ah non, la sortie est là, ok, autant pour moi. Oh voilà la sortie, je suis soulagé, nous avons réussi. Je n'aurais jamais pu traverser cette forêt seule. Merci beaucoup, Héloïse. Ah, mais avec grand plaisir, ça rouge, avec grand plaisir. Yes. Est-ce que je peux la faire, genre, tout de suite? Genre, direct, s'il te plaît. En direct. Allez, Flo. Cette arène a une particularité, il faut vaincre tous les dresseurs qui s'y cachent pour avoir le droit de défier la championne. Ok, Flo, c'est-à-dire moi. Oui, y'a pas de soucis, j'arrive, Flo. Pour ce bonne chance, je t'attendrai au fond. Let's go. On peut l'affronter directement, du coup on y va, on fonce, hein. On fonce direct, on n'a pas le temps. Ah, ok, d'accord, ok, il y en avait une cachée, d'accord. Niveau 15. Moi je te fais flamèche, tiens, j'ai pitié pour toi, hein. Ah bah je suis suicidaire. Niveau 23, voilà, j'aime bien ça, j'aime bien. On va Roselia. Mais moi aussi je veux Roselia, putain. J'ai failli attendre. Je suis Flo, championne d'arène de Vestigion et experte des Pokémon de type plante. Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai su que tu arriverais jusqu'à moi. Et j'espère que tu sais que tu vas te faire botter les fesses, mais violemment, j'espère. J'espère que t'es au courant de ça, hein. Mon intuition s'est avérée exacte. Tu as tout d'une pro.
Ouais, bah j'ai 30 fois ton level quoi. Ce combat s'annonce amusant en garde. Amusant. Amusant. Hein. Oh, il est tout mignon ton Pokémon. C'est dommage que je doive lui cramer la gueule. Moi, quelqu'un de violent? Pas du tout, mais pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de très calme, de très posé. De très gentil aussi. Hein. Faut savoir que moi, genre, quand j'ai pitié des dresseurs qui ont des Pokémon avec des moins bons niveaux que moi, tu vois. Et surtout quand c'est le type contraire, en général je leur laisse une chance de me battre, en général, tu vois. Genre, je laisse un tour passer, genre je change de Pokémon, j'attaque pas. Ça m'arrive de faire ça des fois quand j'ai l'envie, mais t'as d'autres jours où... Bah, je suis pas d'humeur, j'ai envie de tout cramer en fait. Genre, y'a trop de plantes autour de moi et j'ai envie de tout déglinguer, tu vois ce que je veux dire. Genre, surtout les tortipousses avec leur grosse tête là, comme ça là. Tu vois, j'ai envie de les gifler comme ça. Hein. Yeah, désolé s'il y a des fans de tortipousses, hein, mais voilà, je... Fallait que je m'exprime un peu, genre là. Putain, 20, niveau 24 mon champ en feu là, putain. Ce n'est pas encore terminé. Attention, ton Pokémon final, Roserade. Le Pokémon que je veux, Roserade. Roserade est tellement stylé par contre. J'aime trop Roserade. Sauf que c'est pas parce que je l'aime bien qu'il faut que je la laisse en vie. Ok, ça m'enlève un peu de vie. Je l'applaudis parce que elle m'a enlevé un peu de vie. J'applaudis, voilà. Elle s'en sort avec des encouragements, genre peut mieux faire. Genre peut mieux faire, voilà. Tu as un peu mieux faire, Flo, hein. Franchement, championne d'arène. Voilà quoi. Hein. Incroyable, t'as beaucoup de talent. Ah, elle est heureuse de s'être fait battre. Ah, je vois, ok. Non, mais elle a la joie de vivre. Non, mais c'est bien, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Tu vois, genre, même si tu t'es fait battre, le prendre avec joie et apprendre de tes erreurs. C'est ça qu'il faut apprendre, c'est ça, voilà. La défaite, c'est pas juste t'es nul et tu t'es fait battre. Il faut apprendre de ses erreurs et évoluer grâce à ça, d'accord? Est-ce que vous m'avez compris? Je pense que vous m'avez compris. C'était vachement stylé ce que je viens de faire là. T'as déjà dit, mais tu es vraiment coriace. J'avais remarqué, ouais. Ça n'a pas été trop dur d'entraîner tes Pokémon jusqu'à ce niveau? J'ai suivi l'aventure quoi. J'ai pas vraiment eu le choix, j'ai l'impression. En tout cas, ça témoigne de l'affection que tu leur portes. Je suis donc fier de te remettre ceci. Let's go! Deuxième badge d'arène. Flo vous donne le badge forêt. Et ça fait plaisir. Kawarok, Aversion, c'est le même niveau. Jolibert, je fais pas de pique aussi. Grâce à Bachoré, tu peux utiliser la capacité secrète coupe avec ta Pokémon. Et ça va nous aider. Il y a tellement d'endroits avec des petits arbustes à découper là et découvrir des trucs derrière ça là. Depuis le début du jeu, il y en a là, du coup ça va être bien. T'as vu notre immeuble, la Team Galaxy est si riche qu'elle peut bâtir ce genre de bâtiment en claquant des doigts. C'est bien pour ta vie, hein, qu'est-ce que je m'en branle. Let's go! Let's go, Cindy! Ouais, j'avais zappé ça. Ça fait bizarre, genre Cynthia, Chibi comme ça. Chibi Pixel avant, ça allait, tu vois. On ça va encore. Heureusement, c'est Cynthia, tu vois. Ça va. Tiens, mais c'est un Pokédex? J'en ai conclu que tu assistes le professeur Sorbier dans ses recherches. Comment t'appelles-tu? Enchanté, Louis, je n'oublierai pas ton nom. Oh, elle oubliera pas mon nom. Je vais tomber une love, hein. Je suis déjà une love en fait, mais je lui dis pas, tu vois. Je lui cache mes sentiments, mais je lui dévoilerai un jour. Genre en face à face. Genre je vais la... Un jour je le dirai. Je le dis tout de suite. Je la battrai à la ligue. Et après l'avoir battue, je la demanderai en mariage. Ok, retenez bien cette phrase que je viens de dire là, ok? Retenez bien. Moi je m'appelle Cynthia, je suis dresseuse comme toi. Ouais, t'es pas n'importe qui, hein. T'es pas une dresseuse comme moi pour l'instant là. Genre là je t'affronte maintenant, tu m'éclates. Genre tu me retournes dans tous les sens. Je suis pas contre. Mais là je fais pas long feu quoi. Mon passe-temps est d'étudier les mythes sur les Pokémon. Ici à Vestigion se trouve la statue d'un Pokémon des temps anciens. Si on en croit les mythes, c'était un Pokémon d'une puissance incommensurable. Qui sait, tu rencontreras peut-être une créature de ce genre en voyageant avec ton Pokédex. Oh, j'y pense, j'ai un cadeau pour toi, ça devrait être utile. Un cadeau de la part de Cynthia? Une CT-93? Mais qu'est-ce que c'est? De la part de Cynthia dans la poche? Capacité secrète coupe. Ah oui, c'est elle qui donne la capacité coupe, c'est vrai. Eh ben merci Cynthia, merci. Mi amore. J'irai chercher les Master Balls dans ses yeux. Oh la phrase. J'irai chercher les Master Balls dans ses yeux. Incroyable. Que la chance t'accompagne, jeune dresseuse. On peut pas faire l'aventure ensemble? Tu veux pas faire la route avec moi? Je suis pas encore à son niveau, qu'est-ce que je crois, moi? Je suis pas à son échelle.
Viens me follow sur Twitch là, non? On est bien là-bas. On fait plein de trucs, genre jouer à des jeux, regarder des animés et tout. Et puis ça se trouve, je suis peut-être en live tout de suite. Donc je t'attends, viens, allez. Et plus vite que ça, t'entends? Allez. Je suis de bonne humeur là, t'inquiète.